Genèse chapitre 3. Genèse mokapo ya misato. Qu'est-ce que le serpent a dit à Ève? Nyoka alobaki na Eva nini? Alors notez, mais alors regardez bien le verset 6. Lisez à haute voix le verset 6. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle a vu quoi? Était bon à manger et puis... Et qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Ok. Madame. D'abord, c'est un serpent qui est venu, qui a commencé à raconter à la jeune fille Ève. Yambo, ezalaki nyoka, nde ayaki, abandaki koyebisa makambo. Est-ce que Dieu vous a interdit de tout, il vous a, on vous empêche de l'église de tout faire, de rien faire. Non, l'église n'a pas dit ça, tout ça la boyé. Pasteur, vous trompe. Il est en train de vous tromper. Si vous faites ça, ceux qui bino bo sali yango, si vous hein, tu viens avec moi, ceux qui yo yé elongo na ngai, si nous avons des relations sexuelles avec toi, ceux to yé mani nzoto na yo, tes yeux vont s'ouvrir, miso na yo ekofungwama, tu connaîtras beaucoup de choses. Yo koyeba makambo mingi. La Bible dit, ezali koloba, Eva regarda, atalaki na miso. Elle regarda. Elle était en train de regarder le serpent. Et le serpent était en train de lui... Parce que le serpent, le premier serpent, il n'était pas comme le serpent d'aujourd'hui. Il était un homme. Il était nu. Le serpent était nu. Et le serpent, quand il parlait à Eve, il lui montrait, non, c'est comme ça. Si on fait ça, ce n'est pas un problème. Et Eve était en train de regarder les gestes du serpent, comment il lui montrait le sexe et tout ça. Le serpent, le premier serpent ne rampait pas. Branham dit que le premier serpent, il était comme un homme. Il parlait. C'est pourquoi Jésus, plus tard, il va regarder les pharisiens. Il va leur dire, vous, race du serpent, vous, serpent, nyoka. Pourquoi il les a appelés serpents? Nini, abengaki bango nyoka. Parce que les premiers serpents, ils étaient comme ces pharisiens. Zambi, nyoko ya liboso wana, azayo kwa mafarisayo wana. Les serpents, nyoka. Race des vipères. Libota ya bitupa. Et Eve était là en train de regarder la télévision. Bon, Eva, c'est là qui wana, otala ka télévision. Regardez un monsieur qui était en train de lui montrer la nudité. Otala, mon bali boko, azali otali sa ebo lumbu na ye. Et elle aussi, elle était nue, elle ne savait pas. Yepe, azali ki motakala, azali ko ye bate. Et serpent lui a dit, mais regarde, c'est sexe ici. Si tu fais ça, mais tu verras comment les choses se passent. Eve était en train de regarder la télévision. Eva, azali ki wana, otala la télévision. Comment Satan était en train de faire la démonstration? Ça ne s'est pas arrêté là. Eve vit que c'était agréable. Agréable à
Ezalaki maloba malamu. Non non, agréable à la. Ezalaki Eloko kitoko pona kotala. Eloko ezalaki kosepelisa miso na ye pona atala. Ko atala yango. Des jeunes garçons bilenga, assis là. Bilenga mibali batelemi bavandi wana. Agréable à la vue. Ezalaki kitoko pona kotala. Des jeunes filles regardant les écrans agréables. À la télévision et ça ne s'est pas arrêté à regarder. Quand elle a regardé, après, elle a pris le fruit et elle a mangé. Prendre les fruits, ce n'est pas qu'il y avait un arbre. Elle a pris la sexu... elle a embrassé le serpent. Elle a mangé les fruits. Le serpent l'a jeté par terre. Il a couché avec. C'est là la première télévision. Il y a un des télévisions à Liboso. Ça ne s'arrête pas là. Vous regardez. Mais allez voir là. Des hindous qui font ça. Hindou. Bangwana basale ko sala sala ka ba kela na bango. Yo zale ko tala wana. Eko suka wana te. Yo pelo kola. Tu vas prendre les fruits. O kamata mbuma. Et tu vas manger. O kolia yango. Après demain, si mana lobi, c'est toi aussi. Yo pe obani ko beta beta makolo. C'est toi aussi. Yo pe obani ko sala sala makolo boy. Tu es en train de regarder les femmes qui s'embrassent. Ba basale ko pe pwana. Ça ne s'arrête pas là. Eko suka wana te. Demain, lobi, c'est toi yo, qui va commencer à chercher une jeune fille. O komana pe ko lukelenge mwasi. Pour manger, pour manger le fruit. Et quand Eve a mangé le fruit, Satan connaissait la chose. Satan a ayebaki likambo ango. Branham dit, Branham azali koloba, le nom du serpent c'était Maha. Kombo na nyoka ezalaki Maha. 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 C'est-à-dire celui qui a la connaissance des choses de la vie. Satan savait que Satan a yeba ki ete, dans le cycle d'une jeune fille, il y a la période kati na mikolo na sanza, ya elenge mwasi, bileko bizali, où elle peut être grosse. Wa pepa ya koko kumba zemi. Et Satan connaissait ça. Satan a yeba ki yango. Regardez le premier jour, il couche avec Eve. Otala mokolo liboso, oh, ya yeba ki nzoto na Eva. Même jour, mokolo wana moko, Eve est grosse. Eva akumba ki zemi. Tu t'amuses avec un petit bandit dans la rue. Na bandi moko kuna na balabala. Oh, kaka mukolo moko na tomeki na zwizemi. Eh, pasteur, kaka jeune fille wana asalinga boye, kaka mukolo na meki kaka boye, ye wana pe asana zemi. Et qu'est-ce que Eve a fait? Bongo Eva asalaki nini? Frère Branham dit dans l'Éden de Satan. Il dit que quand Eve a fait ça, elle est tombée. Elle aussi elle est partie. Chez Adam. Et pas dans Adam. 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 Ah, regardez ce qui est arrivé. Voilà maintenant. Il m'a montré, il a fait ça. Tu vois ce sexe-là que tu as. Voilà, ça fait comme ça, voilà, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Ça, fait comme ça. C'est que Eve n'avait jamais fait avant. Et malikamo Eve n'a pas salaté liboso. Eve commence à finir. Aye, simba simba Adamu, ado fina fina nzoto. Comme ça, le serpent faisait aussi. Loko la Satan a alakisa kiye. Le serpent quand il est venu vers Eve. Satan attend voyage pas na Eva. Vous aviez lu une écriture là dans Ézéchiel, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça disait dans Ézéchiel? Il y a une jeune fille qui avait lu cette écriture. Ça disait quoi? Jeune fille, vous vous rappelez? Ça disait quoi cette écriture? Hein? Pardon? Les filles, oui, les filles, ça fait quoi?
pasteur, pour la parole. Mm. Les filles sont abandonnées par les garçons du monde. Elles ont laissé leur sein pour que les garçons puissent appuyer leur sein. Lisez, où est la, quel est ce passage? Ah, lisons, lisons ce passage. C'est quel passage? Ézéchiel 23, combien? Viens ici, Élisée. Oui, regardez, regardez. Oui. 23, combien? Éteni nini. Hein? Combien? 1 à 3. Allez, allons-y. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, elles se sont prostituées quand? Dans leur jeunesse. Elles se sont prostituées quand? Là, leurs mamelles ont été pressées. Leurs mamelles ont été quoi? Pressées. Par qui? Le garçon de moi. Par qui? Nanani. Là, leur sein virginal a été touché. Leur quoi? Leur sein virginal a été touché. Leur sein virginal a été quoi? Touché. Elles ont perdu quoi? La virginité. Je n'entends pas. Ok. Hein? Allez vous asseoir. Merci. Satan. Satana. Quand Ève s'est approchée, tango Eva a poussé na kinaye, Satan ne parlait pas seulement. Satan a loba ki bobele ko loba na maloba pa mbate. Mais regarde Ève. Tala Eva. Hein? Dieu, hein? Il prend les seins là. Azui mabele na ye, wani ko fina fina yango. Hein? Ici, awa, on fait ça. Azo simba simba ye, azo fina fina ye. Fait ça. So sali boye. Hein? Regarde. Tala tala. Hein? Regarde. Tala tala. Voilà, ça, fina fina il ye. Certain touche touche. Azalaki ko simba simba nzoto na Eva. Et Eva a commencé à sentir des sensations Eva, dans le corps. Ça, c'était le sang. Ça, c'était le sang. Wanezalaki, ma belle. Et après, bon, sima, il a pris akamati ye, pour la dévierger. Wanezalaki, kimo seka na ye. C'est ça que la Bible dit là-bas. Ezali, oyo Bible, ezali koloba wana. Elle perd sa virginité. Abungisi, kimo seka na ye. Après, sima, elle va là-bas. Akeikuna, elle dit, ah, attends. Quand le serpent là, wana, il m'a dit, ceci, il m'a touché ici. Kinga awa. Alors, Eve aussi Eva, a commencé à toucher Adam. Adam. Branham dit, Branham a lobby, dans l'Éden de Satan. Katina Eden. Et à Satana, que Adam aussi est tombé dans la convoitise. Adam upe akweaki katina bilulela. Et il veut aller coucher bongo, avec akeipe koye banzoto na Eva pour la deuxième fois. Bona mbala na mi balé. La télévision, c'est qu'elle fait aujourd'hui. Télévision, likambo yango ezali ko sala lelo. Elle a été séduite par la télévision. A pengui samaki nanzela ya télévision. Les magazines. Mikanda bazulunale. Les choses séduisantes dans la rue. Makamo mazali ko pengui sa. Mai mazali na balabala. Les garçons dans la rue. Bilenge ni bali kuna na balabala. Les filles dans la rue. Bana basi kuna na balabala. Séduisant les enfants de Dieu. Les magazines captivent nos jeunes filles modernes. Bazulunale, wezali ko benda makanisi ya bilenge basi na biso ya mikolo yo. Tu es en train de regarder les magazines. Yo zali ko tala zulunale wana. On est en train d'exposer les sexes. Bayemi nakati kuna basi mutakala. Les hommes les hommes nus. Mibali mutakala. Et toi? Yo zewano zali ko tala yango. Ah, ah.
Qui est en train de regarder? Vous allez voter à l'ango. Qui est en train de regarder? Vous allez voter à l'ango. Qui est en train de regarder? Vous allez voter à l'ango. Les photos. Ma photo. Ce qu'elle voit dans la rue. Ça t'intéresse. Vous allez voter à l'ango. Tu es en train d'abord regarder. Agréable à la vue. Vous allez voter à l'ango. Tu ne vas pas t'arrêter là. Vous allez voter à l'ango. Tu vas prendre le fruit. Et tu vas manger. Manger, cela veut dire que. Hein, tu prends ça, tu manges. Et manger, c'est devenir un avec la chose que tu regardes. Elle regardait l'arbre. Et après, elle a pris l'arbre. Elle a mangé. Tu prends le garçon, tu le manges. Tu prends la fille, tu la manges. Après, qu'est-ce que Dieu a fait? Elles font ça, elles pensaient que le Satan leur a dit, c'est quoi ça, Liango? Comment? Nicolo, 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 Nicolo. Elle fait ça. À ça, Liango? Elle me... Aïe, bimba, la moko été. Aba, Nicolé, là. Adam. Adam. Eva, regarde ce que tu vas. Eva, t'as la likambo, ça, Lingaï. Ils se sont vus comme des gens qui sont tombés par terre. Qu'est-ce que nous avions fait? Mais où est cette intelligence? Et après, elles ont fui l'église. Et après Dieu dit, allez, va-t'en. Je vous chasse de l'église. À cause de votre mauvais comportement. La télévision. Lisons encore un autre passage. Il y a tellement. Vous savez, j'ai pensé apporter autre chose, mais avec tout ce qui est arrivé hier, je me dis, mais on va avancer comment? Vous Pourquoi ces enfants aiment la télévision? Pourquoi ils aiment ça? Branham dit, toi, fils de David, sois miséricordieux envers moi. Fils de David, aie pitié de moi. Moi, nana, David, yo ke langa imawa. Ah, cette fois-ci, baloyo. J'avais promis ça la fois passée, mais on n'a pas pu faire ça. Alaka ki angom baleleki kasto sala ki angote. Je vais vous remettre ces citations. On va les imprimer sur la délinquance et tout ça. Les colonnes, les bébés, tout le monde qui a bilingué, peignons soana. J'espère que vous aurez le temps de les lire. Na zali koli ki a été bokozwa tango pona kotanga yango. Je prie pour vous. Na zali kubonde la pona bino.
Que Dieu vous aide. Et Nzambe asunga bino. Il vous accorde la grâce. Et apesa bino ngolu. Branham D. Branham azai koloba. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli d'abord. Na litea esika nazali ko kanisa ete ba batona missioni ba koyaki. J'aimerais qu'un jeune garçon, un autre jeune garçon vienne lire ça. Na kolinga ete elenge mobali mosusu aya atangela biso yango. Oh là là. Qui peut lire? Oui. Là où les pentecôtistes ont failli, paragraphe 68. Vous avez trop de spectacles à la télévision et trop de... Les enfants, il n'y a pas longtemps ici, ils ont monté une vieille petite histoire vous montrant comment les diables peuvent faire cela. Il n'y a aucun enfant dans ces pays qui ne puisse. Qui ne puisse vous dire qui est David Croquette, qui ne puisse vous dire qu'il était né au Tennis et comment à l'âge de 3 ans il a tué un ours. Et vous savez que c'est un mensonge, mais tout cela, ils peuvent vous en parler de long à large. Si alors les diables, au moyen de la télévision et tout, les diables au moyen de quoi? Satan anzela na nini? Les diables au moyen de quoi? Satan anzela na nini? Peut enfoncer cela dans la tête de chaque enfant en Amérique. Que devrait faire l'Église par Jésus-Christ? Alors, vous mettriez fin à la délinquance juvénile. Alléluia. Soyez sans crainte. Alléluia. Alléluia. Signifie gloire à notre Dieu. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Ainsi, ça ne vous fera pas du mal de dire cela de temps à autre. Ok. Vous avez trop de spectacles à la télévision. Bino bozaye na makambo ya maseki mingi mais mazaye koleka na télévision. Les enfants. Bana. Il n'y a pas longtemps ici, ils ont monté une vieille petite histoire. Esili koleka tango mingi te awa bango basali mwa lisolo moko boya kalakala. Vous montrant comment le diable peut faire cela. Kotali saka bino lolenge nini satana akoy ko sala yango. Il n'y a aucun enfant dans ces pays qui ne puisse vous dire qui est David Croquette. Qui ne puisse vous dire qu'il est né au Tennessee. Trop de spectacles à la télévision. Et on est en train de vous parler comme l'histoire, les histoires des Nigérians. Des mensonges. Des inventions humaines. Mais les enfants, ils aiment ça. Ils peuvent vous raconter tout ça. Tout cela, ils peuvent vous en parler de long en large. Les enfants peuvent vous raconter tout ça. Si alors le diable, au moyen de la télévision, peut enfoncer cela dans la tête de chaque enfant. Le diable par la télévision. Satana, nanzela ya télévision. Que devrait faire l'Église par Jésus-Christ?
Par Jésus-Christ. Le mot, le diable, il utilise la télévision. Mais l'Église utilise qui? Bongo, losambo, Ecclesia, ezali kosale la nani. Qui? Nani. Hein? Qui? Nani. Jésus-Christ, il est qui? Jésus-Christ, azali nani. Il est la parole. Azali liloba. Vous mettriez fin à la délinquance juvénile. Boko sukisa likambo ya libebi. Si je peux avoir quelques jeunes garçons, quelques jeunes filles qui peuvent me dire, pasteur, nous nous sommes prêts à suivre Jésus-Christ. Nous voulons la parole. Nous voulons le message. Nous voulons suivre Jésus-Christ. Ces jeunes-là ne deviendront jamais des délinquants. Mais ce sont les jeunes qui vont aller dans l'enlèvement. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient être un jour dans l'enlèvement? Écoutez la parole par Jésus-Christ pour votre salut. Mettre fin à la délinquance, cessez de regarder la télévision, cessez de regarder les magazines. Écoutez la parole de Dieu. Cessez de faire ça. Vous deviendrez des bandits. Des rebelles. Ce n'est pas Dieu qui a amené la télévision. Celui qui a amené la télévision, c'est le diable. L'autre nom que Branham a pas donné à la télévision, c'est quoi? Quoi? Enfer vision. Vous ne connaissez que le nom de l'enfer vision, mais vous ne savez pas ce que ça va faire. Vous savez que c'est l'enfer vision. Hein? Enfer vision, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est fini? Ça veut dire enfer vision. Qu'est-ce que ça signifie? Hein? Mais vous tous, vous avez été ici. Quand je vais parler ici, la semaine qui va commencer, vous retournez encore. Fils de Dieu, aie pitié de moi. Branham dit aujourd'hui, au lieu de lire la Bible aux enfants, nous allumons la télévision. Et laissez les enfants regarder quelque chose qui ne leur convient même pas de regarder. Nous leur donnons ces vieux petits magazines des bandes dessinées. Histoire, il y a Tintin. Histoire de quoi? Qu'est-ce que dans les bandes dessinées, qu'est-ce qu'on est en train de vous montrer là-dedans? Quelles sont les histoires de bandes dessinées que vous voyez? Quoi? Hein? Quoi? Jerry. Je n'entends pas. Hein? Jerry.
Et vous regardez ça, n'est-ce pas? Hein? En vous parlant, na kolobaka na bino, naza kolongola, makila, na maboko na ngai. Vous me suivez? Vous avez volé ndangai? Naza kolongola makila, na maboko na ngai. Je vous lis les prophètes. Naza kotanga la bino mosakoli. Les influences. Vous êtes dans des parcelles à côté là, il y a la télévision. Mais quelle est la différence? Quelle est la différence entre vous et les autres enfants? Quelle est la différence? Je vais parler comme ça. Je vais parler. Après, vous rentrez encore. Mais il y aura quelques-uns. Il y aura quelques-uns. Dieu, il est toujours vainqueur. Vous savez pourquoi j'ai continué à vous parler? Ce matin, je n'allais même pas venir. Mais je me suis dit non. Ne te décourage pas. Il y a quelques enfants. Il y en aura quelques-uns. Si tu te décourages, même le peu là, ils vont mourir. Travaille même pour le peu là. Un petit reste qui vont prendre la décision. Moi, je vais aller avec le Seigneur. Il y en a quelques-uns. Amen. La télévision. Télévision. Aujourd'hui, Lelo. Satan a fait un saut en avant. Satan a poussani mokeli boso. En amenant les films dans la maison sous forme de télévision. Na komemeke ba filme na ndako na lolenge ya télévision. C'est réellement tactique de Satan de s'infiltrer graduellement dans la maison. Ezali penza mayele mabe ya Satana eta kwa kokoto bongo na kuku kati na ndako. Vous voulez être des délinquants ou vous voulez être des bons enfants? Bolingi bozala. Vous voulez être des bons enfants ou bien des délinquants? Vous voulez être des bons enfants ou bien des rebelles? Dites à la télévision, c'est fini aujourd'hui. Les causes Dina. Qui amènent la délinquance. Makambo mae, mazali kosala ete bana bakoma bana ba baby. Les amis de l'école. Baninga ya kelasi. Qui vous influencent dans le mal. Bae bazali kobenda bino na ngambo ya mabe. Je vous ai déjà dit, j'ai tout un livre ici sur la télévision.
Ça, ce n'est pas Branham. Ça, ce sont les hommes du monde. Les méfaits de la télévision sur nos enfants. Mbeba, oyo télévision ezali komema likolo na bana na biso. Ravage de la violence. Le ravage bobomi de la pornographie et de l'immoralité. Ya film makambo ezali kotalisa boyeba na nzoto pe na mabobebi ya bomoto na bato. Tout ça, c'est par la télévision. On montre la sexualité. Et après, vous voyez les enfants aussi dans la sexualité. On a vu aux États-Unis des enfants qui sont en train de tuer leurs frères. Les enfants qui tuent les professeurs. Et quand on a demandé pourquoi ils ont fait ça, ils ont dit parce que nous avions vu ça à la télévision. On a vu des films. Et c'est ça ce qui nous a inspiré aussi à tuer. Vous regardez, vous trouvez que c'est bon, vous mangez. Tu vois des gens utilisant les revolvers. Tu regardes, tu trouves que c'est bon. Tu prends aussi les revolvers, tu tues aussi. Tu regardes comment dans les films là-bas. On est en train d'enlever les vêtements d'une femme. Toi aussi, les démons viennent entrer. Tu entres même dans la chambre de tes soeurs. Allez, tu commences à enlever l'habit. Ta soeur regarde, toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Oyeya wakosala nini? Ouais, par les démons. Opakolami na milimo mabe. Tu entres dans la chambre de tes soeurs. Okoki, endormi, tu commences à enlever les vêtements. Obandi kolongola bilamba na bango. La jeune fille ouais par les démons. Elenge mwasi, opakolami na milimo mabe. Oh non, nan. Un garçon de 12 ans là. Non, ce n'est pas Kosokola qu'elle veut. Elle veut voir le sexe. Et pendant qu'elle est en train de laver là, pour lui ça l'intéresse. Touchant le sexe et tout ça, ça l'intéresse. Parce qu'elle a vu ça à la télévision. Zambi a mona qui a la télévision. Oh non, Nazako Sokola, les qui n'ont pas de moyens mobiles. Non, Nazako Sokola, elle veut toucher le sexe. Oh, Lingyo Simba, nous autres, on est dans mobile. Démon, diable. Satana. Et tout ça, ça vient d'où? Ben, nous sommes en Outiwapi. Ça vient d'où? En Outiwapi. Les jeunes filles qui dorment là-bas. Bilenge basi be balali kuna. Allez, debout. Otelema. Jeune fille là au coin. Allez, debout. Oui. Branham dit. Branham azali koloba. Prenez la télévision et faites quoi? Kamata télévision pe sala nini? Faites quoi? Salanini. Mais j'étais dehors, c'est plein dans vos têtes là. Koboa kango libanda, kasi etondi penza meke na mito na bino wana. La délinquance. Les baby. Les mauvaises compagnies.
Baninga yamabe. À l'école. Na kelasi. Il vous influence dans le mal. Bazali ko benda bino na ngambo ya mabe. Laissez ça, laissez ça. Botika yango, botika yango. Ils ne vous aideront pas. Bango ba ko sunga bino te, ba ko salisa bino te. Branham dit que à l'école aujourd'hui. Branham zeko lo baete na bité lo lelo. Même si on vous envoie dans les écoles, mais vous rencontrez des mauvais amis. Billy Paul est devenu, il a été influencé par des mauvais garçons. Billy Paul a bendamaki na baninga ya mabe. Laissez les mauvais amis. Botika baninga ya mabe. Prenez la décision de marcher même seul. Bokamata mokano ya kotambola ta yo moko. Mais avec la Bible à la main. Cherchez des bons camarades. Même si c'est à l'église, il faut qu'il soit un bon garçon, une bonne fille. Vous voyez que c'est un mauvais garçon. Laissez-le. La délinquance. Les baby botomboki. Les écoles. Biteyelo. La musique. Musique. Vous êtes là écoutant n'importe quelle musique. Ozaliwana koyokaka lolenge nyonso ya musique. Je crois que je vous avais parlé de la déclaration d'un monsieur, un démon qui avait parlé sur la télévision. Est-ce que vous vous rappelez? Hein? Qu'est-ce qu'il avait dit? Qui peut rappeler la citation de cet homme-là? C'est qui? Hein? Pardon? John? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui a encore la citation? Qu'est-ce qu'il avait dit cet homme? J'ai cité ça plusieurs fois ici. Barnabas. Comment a-t-il dit? Barnabas. Comment on a dit? Hein? Vous évitez. Mais ce qui n'a tout dit, nani, Mikoloyo, Wemba Lubakinin. Mikoloyo, Wemba Lubinin. Hein? Mikoloyo, Wemba Zawad. Wemba Zawad. Tu ne le connais pas? Mikolo Wemba Lubinin. Mikolo nani 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 mususu hein where son Mikolo where son albini Mikolo where son albini oyebi oui la musique enlève. La musique enlève Dieu de nos cœurs. Musique qui est la seule chose. Si vous allez vous à la télévision, la télévision vous êtes là. Hein? Ma camounine, Mikolo, vous êtes la télévision. Il y a qui le bosse au lobby pour nous.
tant on a le bac qui est la télévision. Banane, Mikoloyo, eloko ni mikolo mwana na television. Biloko ni mwana ki mikoloyo. Akamba mikoloyo, makamba kam ni mwana. Mozobela. Agas, bon monde. Makamuni bomoni mikoloi, makamuni bosomona. Makamuni bomona mikoloi. Bagarson mikoloi, makamuni bomoni mikoloi. Hein? Rien. Makamuni boso mwana mikoloi. Oui. Hein? Nani? Les bas fesses. Les quoi? Les bas fesses. Les bas fesses. Yango moni mikolo na télévision. Ya ba garçon na bana basi pe bazola ta taille basse. Oui. Taille ya bana basi za kandeni. Nana la taille basse. Ya bana basi za kandeni. Hein? Na ba jipa uniforme na maputa na ba jean o bazola ta ba jean wana est-ce que bomona ki ser moko wa yenango hein bino bolati ba jean que cette parole entre dans votre cœur. Et que cette parole travaille. Hein? Que cette parole travaille. Ete liloba oyo esala penza mosala. Qu'est-ce que John Lennon a dit? John Lennon alobaki nini? Il a dit que yalobaki ete je crois nandimi je suis convaincu nandimi penza na motema na ngai mobimba. Que la télévision va faire quoi? Et télévision au salanini va quoi? Faire disparaître, éliminer le christianisme et vous voyez ces choses quand vous les oubliez. Qu'un démon a dit ça. Que je crois que la télévision va éliminer, faire disparaître le christianisme de la face de la terre. Nandimiete télévision ekolimwisa kibokliso katikati na mokili. Il dit que je suis certain. Alobiete nandimi yango penza na motema na nga mobimba ete ozala bobele bongo. Et vous, Pebino, je ne sais pas. Na yebite. Vous entendez ça? Vous allez je vous ai répété ça. Yango, na zongo le kolobela bino ngombala na mbala.
Et je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont même reçu ces citations. Est-ce qu'il y en a qui ont ces citations? Vous écoutez ça? Les soirs, tu es là devant entre les mains du diable pour qu'il enlève tout ce qui ont t'a prêché. Avec ça, est-ce que vous aidez votre pasteur? Est-ce que vous m'aidez avec ça? Ou bien vous me combattez? Si vous voulez m'aider, écoutez ce que je vous dis. Si vous aimez les prophètes, écoutez ce qu'il dit. Boyoka, makambo ya zali koloba. On va essayer de s'arrêter là. Tokomeka kosuka awa. J'aimerais vous dire ceci. Et je crois que nous allons terminer nos réunions ce soir. On va voir si on pourra continuer. Comment on a soki tokokoka kokoba. J'aimerais vous dire que le diable ne vous aime pas. Satana alingi binote. Satan, il veut vous détruire. Satana alingi koboma bino. Quand vous sentez dans le cœur, allez voir la télévision, lire la pornographie. La télévision, la mikanda motakala. Le diable, il veut votre destruction. Satana alingi ete abomayo. Quand regardez. Botala. La séduction, Lipengwa, c'est quelque chose que toi tu penses que c'est juste, c'est bon. Mais à la fin, c'est la mort. Le diable, il est en train de faire tout pour détruire. Satana, il a voulu détruire Eve. Mais il leur a présenté la chose apparemment comme si c'était bon. Dieu doit vous donner assez de discernement. Vous devriez combattre très très fort. Vous devez prendre position pour Jésus-Christ. Après ces réunions, comme je l'ai dit hier, j'aimerais que cette réunion, ça se termine avec une décision ferme de votre part. J'aimerais que ça se termine avec une promesse que vous allez me faire. Na elaka oyo bino bokopesa na ngai. Qui voulez-vous servir? Bino bolingi bosalela nani? Qui voulez-vous servir pour le reste de vos jours sur la terre? Nani ango bino bolingi bosalela pona mikolo mie mitre na mino kobika kati na mokili. Si vous voulez que Jésus-Christ
Après avoir entendu la parole, vous voulez marcher avec Jésus-Christ, on doit terminer ces réunions avec une décision que vous allez prendre. Vous voulez Nous voulons suivre Jésus-Christ. Nous voulons suivre le Messie de l'heure. Nous voulons prendre position pour la parole. Et votre récompense sera grande. Je ne veux pas vous voir des délinquants. J'aimerais vous voir des jeunes filles remplies du Saint-Esprit. Marchant dans la parole. Aidez-moi, aidez votre pasteur. J'aimerais avoir des jeunes filles qui vont dire, pasteur, nous voulons vraiment vous aider. Pasteur, tolingi solo penza ko salisa yo. Des jeunes garçons qui vont dire, nous voulons vous aider, pasteur. Bilenge babali ba koloba, tolingi ko salisa yo, pasteur. Aider le parent à la maison. Kosunga baboti nandako. Pour que ce que tu dis là, tu sois content de voir ça à la réunion prochaine. Je veux voir ici là si on peut avoir encore une autre réunion, mais la prochaine réunion, ce sera au mois, peut-être au mois de novembre. Je crois que vous aurez un congé de détente. Quand est-ce que vous avez le congé de détente? Pardon? Quand? Au mois de novembre, là vous avez souvent 4 jours comme ça de congé de détente. Ouais. Ou 3 jours. Hein? Vous avez souvent 3 jours comme ça de congé de détente. J'aimerais profiter pour qu'on puisse revenir. Et après, au mois de décembre, quand vous aurez votre congé de premier trimestre, je ne sais pas si vous avez un premier trimestre. Nous allons nous lever. Mon Dieu libre. Si
Télévision va vous éloigner de Dieu. Les amis du monde vont vous éloigner de Dieu. Les magazines vont vous éloigner de Dieu. Ève a été séduite par la télévision, par le serpent. Elle s'est éloignée de Dieu. Ève a pu vous savoir que la télévision n'a ni aucun, à qui ne peut mousser la nzambe. Mais Dieu, il a envoyé un prophète. La nzambe a tindi mosakoli. Dieu a envoyé son message. Nzambe a tindi sango naye. Pour vous rapprocher de Dieu. C'est ce que je fais pendant ces réunions. J'aimerais que vous puissiez vous rapprocher de Dieu. J'aimerais que vous puissiez marcher avec Dieu. J'aimerais que vous puissiez prendre la décision. Je vais marcher avec toi, Seigneur. J'abandonne le monde et les choses du monde. Accorde-moi ta grâce. Par moi-même, je ne suis pas fort. Mais toi, tu es fort. Accorde-moi ta grâce de marcher avec toi. Est-ce que vous voulez marcher avec Jésus? Est-ce que c'est vrai, vous voulez marcher avec Jésus? J'élève ma main, Seigneur. La tombe de l'obo colangaï n'colo. Prions le Seigneur. Oh Dieu,
Si Satan il a des enfants sur cette terre, soki Satan azali na bana kat na mokili oyo, ils sont fiers de se comporter de la manière qu'ils font. Bana yango ya Satan bazena lipambu ya ko sepela na ndenge bango bazali ko tambola. Ils sont rebelles. Bazali batomboki. Ils volent, ils mentent, ils font n'importe quoi. Bazali ko yiba, bazali ko kosa, bazali ko sala ekambo soki nini. Je ne vais pas battre des mains inutilement. Ces enfants, ils se comportent de cette manière-là dans le monde. Ils sont fiers de porter des chapeaux, de porter des tailles basses, de regarder la télévision. Ils sont contents de faire ce qu'ils veulent. Et leur père, le diable, il est aussi content d'avoir des enfants comme ça. Vous, si vous êtes des enfants de Dieu, ne pouvez-vous pas aussi être fiers de vous conduire comme des enfants de Dieu? Et ils sont fiers. Ils sont contents. Ils sont rebelles à leurs parents. Rebelle à n'importe qui. Il porte ce qu'il porte. Ils sont là tout le temps à la télévision. Ils sont fiers. Vous voyez comment ils font avec des gestes, tout ça, pour montrer qu'ils sont contents de ce qu'ils sont. Vraiment. Solo penza. Vous aussi ne pouvez-vous pas être fiers d'être des enfants de Dieu? Satan, il est fier de ses enfants. Satana, azali ko sepela na bana na ye. Parce qu'il voit vraiment dans ses enfants son reflet. Zambi, azali ko mwana penza, kati na bana wana, oyo ye, azali ko talisa. Tout ce qu'il leur dit, ils obéissent. Nyonso yo Satan azali ko bana bango, bango bazali ko tosa. Votre Dieu, Nzambe na bino, ne peut-il pas aussi être content? Ye pe akwe ko sepela te. D'avoir des enfants qui sont contents, qui sont fiers de faire ce que lui veut. Nandenge akwe ozana bana ba bazene sengo bazali ko sepela. Po bazali ko sala nyonso oyo ye alingi. Ou bien il sera simplement attristé tout le temps. Attrister leur père. Satan, les enfants de Satan n'attristent pas leur père. Ils sont contents, ils regardent, ils sont dans les matchs, ils sont dans les fétiches, ils sont dans la machine, ils sont dans les femmes, ils sont dans la fumée. Et Satan est très content. Ne peut-il pas y avoir aussi sur terre quelques enfants, quelques jeunes qui peuvent aussi faire la joie de Dieu, pour lesquels Dieu peut aussi, oh merci, je suis content de mes enfants. Ne voulez-vous pas être compté parmi ces enfants-là qui font la fierté de Dieu sur la terre? Dieu sera toujours triste. Il vous donne la vie. Il bénit vos parents.
Il laisse le souffle de vie en vous. Ne pouvez-vous vraiment pas aussi le rendre heureux? Qu'il soit fier. Qu'il se dise au jeu des jeunes sur cette terre. Qui prennent la décision, oh Dieu. Je veux te servir. Je te donne ma vie, oh Dieu. Les enfants de Satan ne demandent pas tout le temps pardon à Satan. Ils font ce que Satan veut. Bien-aimé Père, je remets ces jeunes entre tes mains. Ils ne sont pas venus se promener ici, Seigneur. Ils ne sont pas venus passer leur temps inutilement ici. Ils sont venus écouter quelque chose qui pourra les aider. C'est pourquoi, bien-aimé Seigneur, ils sentent que le combat est dur. Parfois, ils ne savent quoi faire devant la pression. Mais bien-aimé Seigneur, laisse que ces paroles qu'ils entendent chaque jour ici trouvent la place dans leur cœur. Écoutez seulement. Ne frappez pas les mains. Les temps sont très très mauvais. Tango ezali mabe, mabe mingi penza koleka. Si nous les parents nous abandonnons ces enfants. Soki biso baboti totiki bana oyo. La moisson sera très mauvaise. Eleko ya kubuka mbuma ekozala penza mabe mingi. Je sais que c'est très dur, c'est très difficile. Mais nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Toi qui n'as jamais été vaincu dans aucun âge. Tu as toujours eu des témoins sur la terre. Tu as eu un Noé. Tu as eu un David. Tu as eu une Ruth. Tu as eu une Esther. Tu as eu des Daniel, des Shadrach. Est-ce que en ces temps de la fin aussi, tu aies quelques Joël? Tu aies quelques Jean? Tu aies, Seigneur, quelques Ruth, des Esther, qui vont être des témoins de Dieu sur la terre. Circoncis leur cœur. Enlève la télévision. L'incrédulité, la rébellion. Je condamne ces démons au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient chassés de leur cœur.
Laisse que ton esprit habite dans leur cœur. Père bien-aimé, je ne sais pas me tenir tout le temps derrière ces enfants partout ils vont aller. Mais cette parole qu'ils ont entendue, que cette parole les garde partout ils vont aller. Accorde que ton ange marche avec eux. Il y a parfois quelques enfants un peu têtus. Mais alors que l'occasion qui nous est donnée, j'ai prié pour ces enfants. Que toi tu les ramènes à la parole. Qu'ils abandonnent leur entêtement. Bien aimé, parce que ça va coûter très cher. Ils vont payer ça très cher. Des enfants qui sortent pour aller s'amuser dans la rue. Ils vont sortir pour s'aventurer dans le quartier. Le salaire sera très dur. Parce qu'il y en a qui se sont entêtés, qui ont eu le salaire très dur. C'est pourquoi épargner ces enfants. Protège ses enfants. Remplis-les de ton esprit. Circoncis leur cœur. Donne-leur le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance. Bien-aimé Père, que je voie un changement dans leur vie. Qu'eux-mêmes remarquent qu'ils ont été changés. Que leur vie a été transformée. Toi qui pouvais changer l'eau en vin, pour que cette eau devienne utile pour le vin, comme le vin. Oh Dieu, fais que ces enfants changent leur vie, qu'ils soient utiles au royaume de Dieu, qu'ils soient un modèle sur la terre. Fais-les notre Père, accorde-leur. Les prophéties sont là, Seigneur. Mais qu'ils ne puissent pas accomplir cette partie de la prophétie. Mais au contraire, qu'ils soient l'image correcte. Qu'ils soient les positifs de David, de Salomon, de Ruth, d'Esther. Je les abandonne entre tes mains. Père bien-aimé, fais de ces filles de bonnes filles qu'elles soient réellement délivrées de l'esprit de ce monde. Qu'elles gardent précieusement les vertus que toi tu leur as données. Qu'elles soient remplies de ton esprit et qu'elles puissent te servir. Accorde-le, Père. Bénis leur parole. Qu'ils les ont aidés, qu'ils les ont envoyés ici. Garde le Père. Oh Dieu, nous croyons que tu as commencé avec nous. Tu termines avec nous. Bénis les petits repas qu'ils vont prendre. Et quels les petits services que nous allons avoir maintenant. Bien-aimé Père, pour le départ de notre frère Blaise Kalala. Nous remettons tout cela entre tes mains. Accompagne. Garde-le jusqu'à ce que nous allons retourner ce soir. Je compte beaucoup sur toi, Seigneur. Et je crois que tu vas faire quelque chose, Seigneur. Accorde-le, Père. Bien-aimé Père. Oh, récompense, honore les petits efforts de ton serviteur. À ses faibles efforts, change la vie de ses enfants. Change leur vie complètement. C'est que eux-mêmes ne sont pas capables de faire, mais que toi tu les fasses dans leur vie. Accorde le Père. Oh Dieu. Oh Nzambe. Que tout soit pour ta gloire.
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous. Amen. Aujourd'hui, au lieu de lire la Bible aux enfants, nous allumons la télévision. Et laissez les enfants regarder quelque chose qui ne leur convient même pas de regarder. Nous leur donnons ces vieux petits magazines des bandes dessinées. Histoire, il y a Tintin. Masolo ya Tintin. Histoire de quoi? Dans les bandes dessinées, qu'est-ce qu'on est en train de vous montrer là-dedans? Quelles sont les histoires de bandes dessinées que vous mikanda voyez? Yemi kuna na kati. Quoi? Hein? Quoi? Jerry. Je n'entends pas. Jerry. Et vous regardez ça, n'est-ce pas? Hein? En vous parlant, na kolobaka na bino. Naza kolongola makila na maboko na ngai. Vous me suivez? Vous avez kolanda ngai? Naza kolongola makila na maboko na ngai. Je vous lis les prophètes. Naza kotangela bino mosakoli. Les influences. Benama. Vous êtes dans des parcelles à côté là, il y a la télévision. Vous avez quatre dans le pan au moko, pembeni wana télévision ezali. Mais quelle est la différence? Bokeseni ni ezali. Quelle est la différence entre vous et les autres enfants? Bokeseni ni ezali. Katina bino na bana wana misusu. Quelle est la différence? Je vais parler comme ça. Je vais parler. Après, vous rentrez encore. Mais il y aura quelques-uns. Il y aura quelques-uns. Dieu, il est toujours vainqueur. Vous savez pourquoi j'ai continué à vous parler? Ce matin, je n'allais même pas venir. Mais je me suis dit non. Ne te décourage pas. Il y a quelques enfants. Il y en aura quelques-uns. Si tu te décourages, même le peu là, ils vont mourir. Travaille même pour le peu là. Un petit reste. Qui vont prendre la décision. Moi, je vais aller avec le Seigneur. Il y en a quelques-uns. Amen. La télévision. Télévision. Aujourd'hui, Lelo. Satan a fait un saut en avant. Satan a poussani mokeli boso. En amenant les films dans la maison sous forme de télévision. Na komemeke ba filme na ndako na lolenge ya télévision.
C'est réellement tactique de Satan de s'infiltrer graduellement dans la maison. Ezali penza mayele mabe ya Satana. Et ta kokoto bongo na kuku kati na ndako. Vous voulez être des délinquants ou vous voulez être des bons enfants? Bolingi bozala. Bana batomboki to bozala bana malamu. Vous voulez être des bons enfants ou bien des délinquants? Bolingi bozala bana malamu to bana batomboki. Vous voulez être des bons enfants ou bien des rebelles? Bolingi bozala bana malamu to batomboki. Dites à la télévision, c'est fini aujourd'hui. Bolo bana télévision, esili lelo. Les causes Dina. Qui amènent la délinquance. Makambo mae mazali ko sala ete bana bakoma bana ba baby. Les amis de l'école. Baninga ya kelasi. Qui vous influencent dans le mal. Bae bazali ko benda bino na ngambo ya mabe. Je vous ai déjà dit, j'ai tout un livre ici sur la télévision. Ça, ce n'est pas Branham. Ça, ce sont les hommes du monde. Les méfaits de la télévision sur nos enfants. Mbeba, oyo télévision ezali ko mema likolo na bana na biso. Ravage de la violence, le ravage Bobomi. De la pornographie et de l'immoralité. Ya film, bakambo ezali kotalisa boyeba na nzoto pe na mabobebi ya bomoto na bato. Tout ça c'est par la télévision. Nyonso wana ezali na nzela ya télévision. On montre la sexualité. Bazali kotalisa bokutani na mwasi na mobali. Et après, bongo sima, vous voyez les enfants aussi dans la sexualité. Yo, na pe bana, bakoti kat na boyeba ina nzoto. On a vu aux États-Unis des enfants qui sont en train de tuer leurs frères. Les enfants qui tuent les professeurs. Bana, bazali ko boma balakisi na bango. Et quand on a demandé pourquoi ils ont fait ça, ils ont dit parce que nous avions vu ça à la télévision. On a vu des films. Et c'est ça ce qui nous a inspiré aussi à tuer. Vous regardez, vous trouvez que c'est bon, vous mangez. Tu vois des gens utilisant les revolvers. Tu regardes, tu trouves que c'est bon. Tu prends aussi les revolvers, tu tues aussi. Tu regardes comment dans les films là-bas. On est en train d'enlever les vêtements d'une femme. Toi aussi, les démons viennent entrer. Tu entres même dans la chambre de tes soeurs. Allez, tu commences à enlever l'habit. Ta soeur, regarde toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Oyeya wako sala nini? Ouais, par les démons. Tu entres dans la chambre de tes soeurs, endormi, tu commences à enlever les vêtements. La jeune fille, ouais, par les démons. Oh non, un garçon de 12 ans là. Non, ce n'est pas Kosokola qu'elle veut. Elle veut voir le sexe. Et pendant qu'elle est en train de laver là, pour lui ça l'intéresse. Toucher le sexe et tout ça, ça l'intéresse. Parce qu'elle a vu ça à la télévision. Zambie a mona qui a la télévision. Oh,
Oh non, Nazako Sokola, les Kinagamouali. Non, Nazako Sokola, tu ne le laves pas. Elle va toucher le sexe. Oh, Lingo Simba, Njotone na Mobali. Démon, diable. Mon mabé, Satana. Et tout ça, ça vient d'où? Benga Sowane, où tu vas pi? Ça vient d'où? Et où tu vas pi? Les jeunes filles qui dorment là-bas. Bilenge basi bebalali kuna. Allez, debout. Botelema. Jeune fille là au coin. Allez, debout. Oui. Branham dit. Branham, azali koloba. Prenez la télévision et faites quoi? Kamata télévision, pesa la nini. Faites quoi? Salanini. Mais j'étais dehors, c'est plein dans vos têtes là. Koboa kango libanda, kasi etondi penza meke na mito na bino wana. La délinquance. Les baby. Les mauvaises compagnies. Baninga yamabe. À l'école. Na kelasi. Il vous influence dans le mal. Basali ko benda bino na ngambo ya mabe. Laissez ça, laissez ça. Botika yango, botika yango. Ils ne vous aideront pas. Bango ba kosunga bino te, ba kosalisa bino te. Branham dit que à l'école aujourd'hui, même si on vous envoie dans les écoles, mais vous rencontrez des mauvais amis. Billy Paul est devenu, il a été influencé par des mauvais garçons. Laissez les mauvais amis. Prenez la décision de marcher même seul. Mais avec la Bible à la main. Cherchez des bons camarades. Même si c'est à l'église, il faut qu'il soit un bon garçon, une bonne fille. Vous voyez que c'est un mauvais garçon. Laissez-le. Tikaye. La délinquance. Les baby botomboki. Les écoles. Itéelo. La musique. Musique. Vous êtes là. Écoutant n'importe quelle musique. Je crois que je vous avais parlé de la déclaration d'un monsieur, un démon qui avait parlé sur la télévision. Est-ce que vous vous rappelez? Hein? Qu'est-ce qu'il avait dit? Qui peut rappeler la citation de cet homme-là? C'est qui? Hein? Pardon? John, qu'est-ce qu'il a dit? Alobaki nini? Qui a encore la citation? Nani moswazena maloba mususu? Qu'est-ce qu'il avait dit cet homme? Ya alobaki nini? Mobali wana. J'ai cité ça plusieurs fois ici. Natanga ki yango mbala mingi awa. Bana basi. Mutayibi yango sute. Comment a-t-il pas mon âne? Banabasi. Comment on a un hein? Hein? Vous évitez?
Mais ce na tuni nani mikoloyo mikoloyo wemba lubaki nini? Mikoloyo wemba lubini? Mikoloyo wemba zawadi. Wemba zawadi. Tu ne le connais pas? Mikolo wemba lubini? Mikoloyo nani nani? Nani mususu? Hein? Où est Rasson? Mikolo, où est Rasson Albini? Mikolo, où est Rasson Albini? Oyebi. Oui. La musique enlève. Ok. La musique enlève Dieu. Ah, de nos cœurs. Musique qui est dans la Zambé, Katina, Mitema. Oyebi, Oyebi. C'est pour cela que vous êtes à la télévision. La télévision, vous êtes à la télévision. Hein? Makamounine, Mikolo, vous êtes à la télévision. Oyaki, le bosso, le bibouna. On a le bac qui va à la télévision. Banane, Makamba mikoloi, makamba mno mwana. Muzobela? Agas, bongo ndenga. Makamuni bomoni mikoloi, makamuni boso mwana. Makamuni bomona ki mikoloyo. Ba garso mikoloni makamuni bomoni mikoloyo. Hein? Rien. Makamuni bosomona mikoloyo. Oui. Hein? Nani? Les bas fesses. Les quoi? Les bas fesses. Les bas fesses. Taille basse. Yango moni mikolo. La télévision. Il y a un garçon qui n'a pas la basse, mais il y a une taille basse. Oui. Il y a une basse qui est en train de se faire. Nana l'a dit taille basse. Il y a une basse qui est en train de se faire. Hein? Na. J'ai pas uniforme. Na maputa. Naba jin. Bo bazola ta ba jin wana. Est-ce que vous mona ki ser moko wa yenango? Hein? Bino bolati ba jin. Ah. Que cette parole entre dans votre cœur. Et que cette parole travaille. Hein? Que cette parole travaille.
Ete liloba oyo esala penza mosala. Qu'est-ce que John Lennon a dit? John Lennon alobaki nini? Il a dit que ya alobaki ete je crois nandimi. Je suis convaincu nandimi penza na motema na ngai mobimba que la télévision va faire quoi? Ete télévision osala nini? Va quoi? Faire disparaître, éliminer le christianisme et vous voyez ces choses quand vous les oubliez. Qu'un démon a dit ça. Que je crois que la télévision va éliminer, faire disparaître le christianisme de la face de la terre. Nandimiete télévision et kolimwisa kibokliso katikati na mokili. Il dit que je suis certain. Alobiete nandimi yango penza na motema na nga mobimba ete kozala bobele bongo. Et vous, Pebino, je ne sais pas. Nayebite. Vous entendez ça? Vous allez je yoka. Vous ai répété ça. Et je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont même reçu ces citations. Est-ce qu'il y en a qui ont ces citations? Vous écoutez ça? Vous allez goyoka yango? Laisse-moi. Na poko. Tu es là. Yo, okay, tu vas entre les mains du diable. Na maboko ya satana. Pour que il enlève tout ce qui on t'a prêché. Poete alongola, makambo nyonso oyo bateyo. Avec ça, est-ce que vous aidez votre pasteur? Bongo na makambo lolenge wana, ozale ko sunga. Pasteur Nabino? Hein? Est-ce que vous m'aidez avec ça? Ozale ko sunga ngai na makambo ya motindo wana? Ou bien vous me combattez? To bino ozale ko bundisa ngai. Si vous voulez m'aider, écoutez ce que je vous dis. Si vous aimez les prophètes, écoutez ce qu'il dit. On va essayer de s'arrêter là. Kosuka awa. J'aimerais vous dire ceci. Nalingi koloba na bino likambo oyo. Et je crois que nous allons terminer nos réunions ce soir. Andimete tokosilisa mayanga na biso na pokwa na lelo. Voir si on pourra continuer. Comment la soki tokokoka kokoba? J'aimerais vous dire que na lingi koloba na bino ete le diable ne vous aime pas. Satana alingi bino te. Satan, il veut vous détruire. Satana, alingi koboma bino. Quand vous sentez dans le cœur, allez voir la télévision, lire la pornographie. Kende kota la télévision, kota la ba mikanda ba ezali ko laksa bato motakala. Le diable, il veut votre destruction. Satana, alingi ete aboma yo. Quand regardez, Botala, la séduction, Lipengwa, c'est quelque chose que toi tu penses que c'est juste, c'est bon. Mais à la fin, c'est la mort. Le diable, il est en train de faire tout pour détruire. Satana, azali ko luka ko sala makambo nyonso po aboma.
Il a voulu détruire Eve. Mais il leur a présenté la chose apparemment comme si c'était bon. Kasi atali saki bango likambo yango na botali na miso boye ezay ko mona na lokola teze malamu. Dieu doit vous donner assez de discernement. Nzambe asanga ko pesa bino lisoso li o ekoki. Vous devriez combattre très très fort. Bino osengele ko bunda makasi penza. Vous devez prendre position pour Jésus-Christ. Après ces réunions, comme je l'ai dit hier, j'aimerais que cette réunion ça se termine avec une décision ferme de votre part. J'aimerais que ça se termine avec une promesse que vous allez me faire. Na elaka oyo bino boko pesa na ngai. Qui voulez-vous servir? Bino bolingi bosalela nani? Qui voulez-vous servir pour le reste de vos jours sur la terre? Nani ango bino bolingi bosalela pona mikolo mie mitrena bino kobika kati na mokili. Si vous voulez que Jésus-Christ, après avoir entendu la parole, vous voulez marcher avec Jésus-Christ, on doit terminer ces réunions avec une décision que vous allez prendre. Nous voulons suivre Jésus-Christ. Nous voulons suivre le message de l'heure. Nous voulons prendre position pour la parole. Et votre récompense sera grande. Je ne veux pas vous voir des délinquants. J'aimerais vous voir des jeunes filles remplies du Saint-Esprit. Na kolinga na mona bino bilenge basi ba ebatondi na molimo mosantu. Marchant dans la parole. Kotambolaka na liloba. Aidez-moi, aidez votre pasteur. Bosunga ngai, bosalisa ngai okambi na bino. J'aimerais avoir des jeunes filles qui vont dire: pasteur, nous voulons vraiment vous aider. Pasteur, tolingi solo penza kosalisa yo. Des jeunes garçons qui vont dire: nous voulons vous aider, pasteur. Bilenge babali ba koloba, tolingi kosalisa yo, pasteur. Aider le parent à la maison. Kosunga baboti nandako. Pour que ce que tu dis là, tu sois content de voir ça à la réunion prochaine. Je veux voir ici là si on peut avoir encore une autre réunion, mais la prochaine réunion, hein, ce sera au mois, peut-être au mois de novembre. Je crois que vous aurez un congé de détente. Quand est-ce que vous avez le congé de détente? Pardon? Quand? Au mois de novembre, là vous avez souvent 4 jours comme ça de congé de détente. Ouais. Ou 3 jours. Hein? Vous avez souvent 3 jours comme ça de congé de détente. J'aimerais profiter pour qu'on puisse revenir. Et après, au mois de décembre, quand vous aurez votre congé de premier trimestre, je ne sais pas si c'est le trimestre. Nous allons nous lever. Mon Dieu, lumière,
La télévision, télévision va vous éloigner de Dieu. Les amis du monde vont vous éloigner de Dieu. Les magazines vont vous éloigner de Dieu. Ève a été séduite par la télévision, par le serpent. Elle s'est éloignée de Dieu. Ève a pu vous amener la télévision. Nanyoka a kené ki mosika na nzambe. Mais Dieu, il a envoyé un prophète. Kasi nzambe atindi mosakoli. Dieu a envoyé son message. Nzambe atindi sango na ye. Pour vous rapprocher de Dieu. C'est ce que je fais pendant ces réunions. J'aimerais que vous puissiez vous rapprocher de Dieu. J'aimerais que vous puissiez marcher avec Dieu. J'aimerais que vous puissiez prendre la décision. Je vais marcher avec toi, Seigneur. J'abandonne le monde et les choses du monde. Accorde-moi ta grâce. Par moi-même, je ne suis pas fort. Mais toi, tu es fort. Accorde-moi ta grâce de marcher avec toi. Est-ce que vous voulez marcher avec Jésus? Est-ce que c'est vrai, vous voulez marcher avec Jésus? Et moi,
J'élève ma main, Seigneur. Prions le Seigneur.
Si Satan, il a des enfants sur cette terre. Ce qui Satan a azali na bana kat na mokilo yo. Ils sont fiers de se comporter de la manière qu'ils font. Bana yango ya Satan a bazali na lipambu ya ko sepela na ndenge bango bazali ko tambola. Ils sont rebelles. Bazali batomboki. Ils volent, ils mentent, ils font n'importe quoi. Bazali ko yiba, bazali ko kosa, bazali ko sala likambo soki nini. Je ne fais pas battre des mains inutilement. Na lingite bobeta maboko pamba pamba. Ces enfants, ils se comportent de cette manière là dans le monde. Ils sont fiers de porter des chapeaux, de porter des tailles basses, de regarder la télévision. Ils sont contents de faire ce qu'ils veulent. Et leur père, le diable, il est aussi content d'avoir des enfants comme ça. Vous, si vous êtes des enfants de Dieu, ne pouvez-vous pas aussi être fiers de vous conduire comme des enfants de Dieu? Et ils sont fiers. Ils sont contents. Ils sont rebelles à leurs parents. Rebelle à n'importe qui. Ils portent ce qu'ils portent. Ils sont là tout le temps à la télévision. Ils sont fiers. Vous voyez comment ils font avec des gestes, tout ça, pour montrer qu'ils sont contents de ce qu'ils sont. Vraiment. Solo penza. Vous aussi ne pouvez-vous pas être fiers d'être des enfants de Dieu? Satan, il est fier de ses enfants. Parce qu'il voit vraiment dans ses enfants son reflet. Tout ce qu'il leur dit, ils obéissent. Votre Dieu ne peut-il pas aussi être content d'avoir des enfants qui sont contents, qui sont fiers de faire ce que lui veut? Ou bien il sera simplement attristé tout le temps? Attrister leur père. Satan, les enfants de Satan n'attristent pas leur père. Ils sont contents, ils regardent, ils sont dans les matchs, ils sont dans les fétiches, ils sont dans la machine, ils sont dans les femmes, ils sont dans la fumée. Et Satan est très content. Ne peut-il pas y avoir aussi sur terre quelques enfants, quelques jeunes qui peuvent aussi faire la joie de Dieu, pour lesquels Dieu peut aussi, oh merci, je suis content de mes enfants? Ne voulez-vous pas être compté parmi ces enfants-là qui font la fierté de Dieu sur la terre? Dieu sera toujours triste. Il vous donne la vie. Il bénit vos parents.
Il laisse le souffle de vie en vous. Ne pouvez-vous vraiment pas aussi le rendre heureux? Qu'il soit fier. Qu'il se dise au jeu des jeunes sur cette terre. Qui prennent la décision, oh Dieu. Je veux te servir. Je te donne ma vie, oh Dieu. Les enfants de Satan ne demandent pas tout le temps pardon à Satan. Ils font ce que Satan veut. Bien-aimé Père, je remets ces jeunes entre tes mains. Ils ne sont pas venus se promener ici, Seigneur. Ils ne sont pas venus passer leur temps inutilement ici. Ils sont venus écouter quelque chose qui pourra les aider. C'est pourquoi, bien-aimé Seigneur, ils sentent que le combat est dur. Parfois, ils ne savent quoi faire devant la pression. Mais bien-aimé Seigneur, laisse que ces paroles qu'ils entendent chaque jour ici trouvent la place dans leur cœur. Écoutez seulement. Ne frappez pas les mains. Les temps sont très très mauvais. Tango ezali mabe, mabe mingi penza koleka. Si nous les parents nous abandonnons ces enfants. Soki biso baboti totiki bana oyo. La moisson sera très mauvaise. Eleko ya kubuka mbuma ekozala penza mabe mingi. Je sais que c'est très dur, c'est très difficile. Mais nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Toi qui n'as jamais été vaincu dans aucun âge. Tu as toujours eu des témoins sur la terre. Tu as eu un Noé. Tu as eu un David. Tu as eu une Ruth. Tu as eu une Esther. Tu as eu des Daniel, des Shadrach. Laisse que en ces temps de la fin aussi. Tu as eu des Daniel. Tu aies quelques Joël. Yo zala pe naba Joël. Tu aies quelques Jean. Yo pe zala naba Jean. Tu aies, Seigneur, quelques Ruth. Yo zala pe na boko ba Luta. Des Esther. Ba Estelle. Qui vont être des témoins de Dieu sur la terre. Ba ye ba kozala ba tatoli na nzambe awa na mokili. Circoncis leur cœur. Kata ngenga na mitema mia bango. Enlève la télévision. Longola télévision. L'incrédulité, la rébellion. Je condamne ces démons au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient chassés de leur cœur.
Laisse que ton esprit habite dans leur cœur. Père bien-aimé, je ne sais pas me tenir tout le temps derrière ces enfants partout ils vont aller. Mais cette parole qu'ils ont entendue, que cette parole les garde partout ils vont aller. Accorde que ton ange marche avec eux. Il y a parfois quelques enfants un peu têtus. Mais alors que l'occasion qui nous est donnée, j'ai pris pour ces enfants. Que toi tu les ramènes à la parole. Qu'ils abandonnent leur entêtement. Bien aimé, parce que ça va coûter très cher. Ils vont payer ça très cher. Des enfants qui sortent pour aller s'amuser dans la rue. Ils vont sortir pour s'aventurer dans le quartier. Le salaire sera très dur. Parce qu'il y en a qui se sont entêtés, qui ont eu le salaire très dur. C'est pourquoi épargner ces enfants. Protège ses enfants. Remplis-les de ton esprit. Circoncis leur cœur. Donne-leur le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance. Bien-aimé Père, que je voie un changement dans leur vie. Que eux-mêmes remarquent qu'ils ont été changés. Que leur vie a été transformée. Toi qui pouvais changer l'eau en vin, pour que cette eau devienne utile pour le vin, comme le vin. Oh Dieu, fais que ces enfants changent leur vie, qu'ils soient utiles au royaume de Dieu, qu'ils soient un modèle sur la terre. Fais-les notre Père, accorde-leur. Les prophéties sont là, Seigneur. Mais qu'ils ne puissent pas accomplir cette partie de la prophétie. Mais au contraire, qu'ils soient l'image correcte. Qu'ils soient les positifs de David, de Salomon, de Ruth, d'Esther. Je les abandonne entre tes mains. Père bien-aimé, fais de ces filles de bonnes filles qu'elles soient réellement délivrées de l'esprit de ce monde, qu'elles gardent précieusement les vertus que toi tu leur as données, qu'elles soient remplies de ton esprit et qu'elles puissent te servir. Accorde le Père, bénis leur parole. Qui les ont aidés, qui les ont envoyés ici. Garde le Père. Oh Dieu, nous croyons que tu as commencé avec nous. Tu termines avec nous. Bénis les petits repas qu'ils vont prendre. Et quel est le petit service que nous allons avoir maintenant. Bien-aimé Père, pour le départ de notre frère Blaise Kalala. Nous remettons tous l'entraînement. Accompagne. Garde-le jusqu'à ce que nous allons retourner ce soir. Je compte beaucoup sur toi, Seigneur. Et je crois que tu vas faire quelque chose, Seigneur. Accorde-le, Père. Bien-aimé Père. Oh, récompense, honore les petits efforts de ton serviteur. À ses faibles efforts, change la vie de ses enfants. Change leur vie complètement. C'est que eux-mêmes ne sont pas capables de faire, mais que toi tu les fasses dans leur vie. Accorde le Père. Oh Dieu. Oh Nzambe.
Que tout soit pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous. Amen. Amen. Pardon? Quand? Au mois de novembre, là, vous avez souvent 4 jours comme ça de congé de détente. Ouais. Ou 3 jours. Hein? Vous avez souvent 3 jours comme ça de congé de détente. J'aimerais profiter pour qu'on puisse revenir. Et après, au mois de décembre, quand vous aurez votre congé de premier trimestre, je ne sais pas si vous avez un congé. Nous allons nous lever. Togo telema. Mon Dieu. La télévision, télévision va vous éloigner de Dieu. Les amis du monde vont vous éloigner de Dieu. Les magazines vont vous éloigner de Dieu. Ève a été séduite par la télévision, par le serpent. Elle s'est éloignée de Dieu. Ève a pengu samaki na télévision. Na nyoka akendeki mosika na nzambe. Mais Dieu, il a envoyé un prophète. Kasi nzambe atindi mosakoli.
Dieu a envoyé son message. Nzambe atindi sango na ye. Pour vous rapprocher de Dieu. Bona kobele misabino na Nzambe. C'est ce que je fais pendant ces réunions. Ezali oyonga na sali katina mayangani maye. J'aimerais que vous puissiez vous rapprocher de Dieu. J'aimerais que vous puissiez marcher avec Dieu. J'aimerais que vous puissiez prendre la décision. Je vais marcher avec toi, Seigneur. J'abandonne le monde et les choses du monde. Accorde-moi ta grâce. Par moi-même, je ne suis pas fort. Mais toi, tu es fort. Accorde-moi ta grâce de marcher avec toi. Est-ce que vous voulez marcher avec Jésus? Est-ce que c'est vrai, vous voulez marcher avec Jésus? J'élève ma main, Seigneur. Le Seigneur.
Satan, il a des enfants sur cette terre. Ce qui Satan a azali na bana kat na mokilo yo. Ils sont fiers de se comporter de la manière qu'ils font. Bana yango ya Satan bazena li pambou.
ya ko sepela na ndenge bango bazali ko tambola. Ils sont rebelles. Bazali ba tomboki. Ils volent, ils mentent, ils font n'importe quoi. Bazali ko yiba, bazali ko kosa, bazali ko sala e kambo soki nini. Je ne vais pas battre des mains inutilement. La limite, vous bêtez ma boko pamba pamba. Ces enfants, ils se comportent de cette manière-là dans le monde. Ils sont fiers de porter des chapeaux, de porter des tailles basses, de regarder la télévision. Ils sont contents de faire ce qu'ils veulent. Et leur père, le diable, il est aussi content d'avoir des enfants comme ça. Vous, si vous êtes des enfants de Dieu, ne pouvez-vous pas aussi être fiers de vous conduire comme des enfants de Dieu? Et ils sont fiers. Ils sont contents. Ils sont rebelles à leurs parents. Rebelles à n'importe qui. Ils portent ce qu'ils portent. Ils sont là tout le temps à la télévision. Ils sont fiers. Vous voyez comment ils font avec des gestes, tout ça, pour montrer qu'ils sont contents de ce qu'ils font. Vraiment. Solo penza. Vous aussi ne pouvez-vous pas être fiers d'être des enfants de Dieu? Satan, il est fier de ses enfants. Parce qu'il voit vraiment dans ses enfants son reflet. Tout ce qu'il leur dit, ils obéissent. Votre Dieu ne peut-il pas aussi être content d'avoir des enfants qui sont contents, qui sont fiers de faire ce que lui veut? Ou bien il sera simplement attristé tout le temps? Attrister leur père. Satan, les enfants de Satan n'attristent pas leur père. Ils sont contents, ils regardent, ils sont dans les matchs, ils sont dans les fétiches, ils sont dans la magie, ils sont dans les femmes, ils sont dans la fumée. Et Satan est très content. Ne peut-il pas y avoir aussi sur terre quelques enfants, quelques jeunes qui peuvent aussi faire la joie de Dieu, pour lesquels Dieu peut aussi, oh merci, je suis content de mes enfants? Ne voulez-vous pas être compté parmi ces enfants-là qui font la fierté de Dieu sur la terre? Dieu sera toujours triste. Il vous donne la vie. Il bénit vos parents. Il laisse le souffle de vie en vous. Ne pouvez-vous vraiment pas aussi le rendre heureux? Qu'il soit fier.
qu'ils se disent au jeu des jeunes sur cette terre. Qui prennent la décision, oh Dieu. Je veux te servir. Je te donne ma vie, oh Dieu. Les enfants de Satan ne demandent pas tout le temps pardon à Satan. Ils font ce que Satan veut. Bien-aimé Père, je remets ce jeune entre tes mains. Ils ne sont pas venus se promener ici, Seigneur. Ils ne sont pas venus passer leur temps inutilement ici. Ils sont venus écouter quelque chose qui pourra les aider. C'est pourquoi, bien-aimé Seigneur, ils sentent que le combat est dur. Parfois, ils ne savent quoi faire devant la pression. Mais bien-aimé Seigneur, laisse que ces paroles qu'ils entendent chaque jour ici trouvent la place dans leur cœur. Écoutez seulement. Ne frappez pas les mains. Les temps sont très très mauvais. Tango ezali mabe, mabe mingi penza koleka. Si nous les parents nous abandonnons ces enfants. Soki biso baboti totiki bana oyo. La moisson sera très mauvaise. Eleko ya kubuka mbuma ekozala penza mabe mingi. Je sais que c'est très dur, c'est très difficile. Mais nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Toi qui n'as jamais été vaincu dans aucun âge. Tu as toujours eu des témoins sur la terre. Tu as eu un Noé. Tu as eu un David. Tu as eu une Ruth. Tu as eu une Esther. Tu as eu des Daniel, des Shadrach. Est-ce que en ces temps de la fin aussi, tu as eu quelques Joël. Tu aies quelques Jean. Tu aies, Seigneur, quelques Ruth. Des Esther. Qui vont être des témoins de Dieu sur la terre. Circoncis leur cœur. Enlève la télévision. L'incrédulité, la rébellion. Je condamne ces démons au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient chassés de leur cœur.
Laisse que ton esprit habite dans leur cœur. Père bien-aimé, je ne sais pas me tenir tout le temps derrière ces enfants partout ils vont aller. Mais cette parole qu'ils ont entendue, que cette parole les garde partout ils vont aller. Accorde que ton ange marche avec eux. Il y a parfois quelques enfants un peu têtus. Mais alors que l'occasion qui nous est donnée, j'ai pris pour ces enfants. Que toi tu les ramènes à la parole. Qu'ils abandonnent leur entêtement. Bien aimé, parce que ça va coûter très cher. Ils vont payer ça très cher. Des enfants qui sortent pour aller s'amuser dans la rue. Ils vont sortir pour s'aventurer dans le quartier. Le salaire sera très dur. Parce qu'il y en a qui se sont entêtés, qui ont eu le salaire très dur. C'est pourquoi épargner ces enfants. Protège ses enfants. Remplis-les de ton esprit. Circoncis leur cœur. Donne-leur le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance. Bien-aimé Père, que je voie un changement dans leur vie. Qu'eux-mêmes remarquent qu'ils ont été changés. Que leur vie a été transformée. Toi qui pouvais changer l'eau en vin, pour que cette eau devienne utile pour le vin, comme le vin. Oh Dieu, fais que ces enfants changent leur vie, qu'ils soient utiles au royaume de Dieu, qu'ils soient un modèle sur la terre. Fais-les notre Père, accorde-leur. Les prophéties sont là, Seigneur. Mais qu'ils ne puissent pas accomplir cette partie de la prophétie. Mais au contraire, qu'ils soient l'image correcte. Qu'ils soient les positifs de David, de Salomon, de Ruth, d'Esther. Je les abandonne entre tes mains. Père bien-aimé, fais de ces filles de bonnes filles qu'elles soient réellement délivrées de l'esprit de ce monde. Qu'elles gardent précieusement les vertus que toi tu leur as données. Qu'elles soient remplies de ton esprit et qu'elles puissent te servir. Accorde le Père, bénis leur parole. Qui les ont aidés, qui les ont envoyés ici. Garde le Père. Oh Dieu, nous croyons que tu as commencé avec nous. Tu termines avec nous. Bénis les petits repas qu'ils vont prendre. Et quels les petits services que nous allons avoir maintenant. Bien-aimé Père, pour le départ de notre frère Blaise Kalala. Nous remettons tous l'entre tes mains. Accompagne. Garde-le jusqu'à ce que nous allons retourner ce soir. Je compte beaucoup sur toi, Seigneur. Et je crois que tu vas faire quelque chose, Seigneur. Accorde-le, Père. Bien-aimé Père. Oh, récompense, honore les petits efforts de ton serviteur. À ses faibles efforts, change la vie de ses enfants. Change leur vie complètement. C'est que eux-mêmes ne sont pas capables de faire, mais que toi tu les fasses dans leur vie. Accorde le Père. Oh Dieu. Oh Nzambe.
Que tout soit pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous. Amen. La vie de ses enfants. Bongola, bomoi na bana oyo. Change leur vie complètement. Bongola, mobimba nye penza bomoi na bango. C'est que eux-mêmes ne sont pas capables de faire, mais que toi tu les fasses dans leur vie. Oyo bango moko, bazana bakugia osalate. Tikete yo sala ngokat na bomoi na bango. Accorde le père. Kokisa yango tata. Oh Dieu. Oh Nzambe. Que tout soit pour ta gloire. Nyonso ezala pona kembo na yo. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Akombo na kolo na biso Yesu Kristo. Nous disons tous. Biso baso tolobi elongo. Amen.